Salut les potos. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch de duplication. Donc une nouvelle méthode pour dupliquer avec le complexe. Ok les potos. Donc ça va être très facile. Vous allez avoir besoin d'un ami, il faut être deux. D'accord? Donc il vous faut obligatoirement le complexe, le centre d'opération mobile, une voiture à dupliquer et des RH8. Et un ami. Ok? Donc allez, c'est parti, on va faire une petite session sur invitation, donc depuis l'éditeur. On va attendre d'apparaître dans la session du coup. Donc les poteaux, c'est la duplication très très rapide. Une par une, si notre ami est dans un travail de titan en AFK, ok, vous pouvez les enchaîner tout seul. Et on va pouvoir aussi les faire 3 par 3, voire 4 par 4, 5 par 5, 6 par 6 même, mais là je vais vous montrer juste 3 par 3. Le reste, je vous le montrerai dans les lives. Ok les potos, donc 3 par 3, notre ami doit être là pour nous aider. Une par une, il n'a pas besoin d'être là, il peut mettre un élastique sur sa manette et faire ce qu'il a à faire. Donc là, c'est bon, j'ai mis le point d'apparition du coup en dernière position, j'apparais devant le complexe. Donc il vous faut obligatoirement le complexe les potos, pour celui qui duplique. Celui qui aide, c'est pas utile. Donc là, j'ai récupéré mon véhicule que je veux dupliquer. La Elegy Retro Custom qui se revend du coup plus de 900 000 $, hein, 970 000 à peu près en moyenne, custom à fond. Donc profitez de faire ce véhicule là et pas un autre, parce que les autres vous ne pourrez pas les revendre. Vous pourrez les dupliquer, d'accord, tous les véhicules du jeu se dupliquent, mais vous ne pourrez pas les revendre. Le prix va baisser énormément, voire complètement bloqué, d'accord. Donc Elegy Retro Custom à dupliquer. Donc je la rentre dans mon complexe, il faut qu'elle soit enregistrée dans mon complexe. Dans mon complexe, avec la Elegy Retro Custom, j'ai des Elegy RH8, d'accord, qui vont être écrasés contre les duplications. Donc vous allez perdre ces véhicules. Donc allez, c'est parti, je vérifie que j'en ai bien, sinon je les achète. Donc Legendary, trié par prix, Elegy à 0 $, ok. Tac, hop, commander, complexe. Donc là, j'ai une rétro custom que je vais dupliquer. Le reste, ce sont que des Elegy. Donc je vais faire 6 duplications. Ok, donc j'ai besoin de 6 Elegy. Ok, les potos. Le nombre d'Elegy au nombre de duplications, tout simplement. Si vous avez d'autres véhicules, c'est pas grave. Donc là, le centre d'opération mobile est obligatoire aussi pour sauvegarder les véhicules. Donc en module 2, module vide. Module 3, dépôt de véhicules personnels. Ok, la place de parking dans le camion. D'accord. Donc ça c'est bon. Ensuite, une Elegy RH8 aussi dans le centre d'opération mobile qui va nous servir à switcher à chaque fois qu'on va sauvegarder une voiture. D'accord. Donc quand on les fait une par une, on peut les switcher à notre garage une fois passé au centre. Ça c'est bon. Mais quand on les fait 3 par 3, c'est plus rapide de les switcher contre une RH8 qui est dans le camion. Du coup, il y aura une RH8 qui réapparaîtra à chaque fois dans le complexe. Ok les potos. Donc pour commencer le glitch, une fois qu'on a tout ça, on va sortir avec une RH8 à l'extérieur. Très très important ça les potos. N'oubliez pas de sortir avec une RH8 et de re-rentrer avec. Ok. Le véhicule a écrasé, on le sort, on le re-rentre. Comme ça, il est enregistré en tant que dernier véhicule utilisé. Ça c'est très important. Pensez-y, parce qu'à chaque fois que vous faites une duplication, si vous ne faites pas ça, vous allez perdre du coup votre duplication qui elle est en tant que dernier véhicule utilisé. D'accord. Donc là, je sors une RH8, je la re-rentre, et là, c'est bon, il est enregistré. À partir de là, je vais pouvoir aller me bugger, pour pouvoir justement dupliquer la première voiture. Donc allez, c'est parti. Je vais en faire deux, seules, une par une, et ensuite, une fois que j'en aurai trois, je les ferai trois par trois. Ok, on va faire les deux méthodes. Donc là, c'est parti, je vais du coup à ma salle de mission de préparation. Vous n'avez plus besoin d'avoir de mission de préparation ni de braquage, c'est pas grave. Vous avez juste besoin d'avoir la salle de mission de préparation. Donc là, à partir de là, mon ami, donc il part dans l'éditeur, en session, sur invitation lui aussi. Ou dans la nôtre, on peut l'inviter, il se met dans la nôtre, ça c'est bon. Sinon, il en fait une tout seul, sans personne. C'est bon aussi, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc hop, il fait une session sur invitation. Allez, c'est parti. Donc là c'est mon ami. Voilà. Donc là il a fait une session sur invitation. Il n'est pas dans la mienne. Il est seul. Ça marche aussi. Donc là il va lancer la mission un travail de titan. Et il va rester dedans. Donc option en ligne activité.
jouer activité, là, créé par Rockstar, mission, un travail de titan. Donc il lance la première mission et il reste dans l'accueil de la mission. Il ne bouge plus, à partir de là il ne bouge plus. Il reste comme ça tant que j'ai pas fini toutes mes duplications. Dans sa mission, dans la session sur invitation, il ne m'invite pas, il reste comme ça. Ok, donc si vraiment il veut partir, aller faire autre chose, il descend du coup sur arme, d'accord, ou alors sur difficulté, peu importe, et il met un élastique entre les deux joysticks. Du coup ça va faire tourner, il sera jamais exclu, tout simplement. Donc là on se retrouve avec moi du coup, mon ami il est bon, moi je fais bouton PS, hop, partie vocale, puisqu'il est dans la partie vocale, sinon je vais sur son profil dans le menu de la play, hein, peu importe, et je fais rejoindre la session. Là je fais un double clic sur le bouton PS, donc c'est enregistré. Maintenant je sors le téléphone, activité, jouer activité, le braquage, seul, vraiment, ok, on le lance, et là on va voir le logo de crew derrière qui va disparaître. Au moment où il disparaît, on ressort le téléphone et on refait une activité rapide, un braquage. Hop, activité rapide, on se met là-dessus et on quitte le téléphone. Double clic PS, rejoindre la session, on spamme le bouton croix. Ok, on rejoint la session, on attend les récupérations des détails et on accepte les deux messages d'alerte. Mon ami, il ne fait rien, il reste dans la mission. Ok les potos. Donc allez, je vous le repasse du coup au ralenti. Donc toute la manip là. Mon ami, il est dans la mission, un travail de titan. Moi, je sors le téléphone dans cette pièce. Je vais sur activité rapide. Le braquage de la fin du monde. Je l'ouvre seul, vraiment, et je le lance. Hop. Dès que le logo de crew disparaît derrière, tac. Là, je ressors le téléphone, activité rapide, le braquage, et je ferme le téléphone. Ok. Une fois que c'est fait, double clic PS, rejoindre la session, j'appuie sur croix, je spamme le bouton croix pour accepter tous les messages d'alerte. D'accord? Et là, du coup, on réapparaît bugué. Donc, si vous faites pas ça assez rapidement, vous allez réapparaître, mais avec le logo de crew qui réapparaît lui aussi. Donc là, c'est pas bon, il faut se recommencer à se bugger. Donc, c'est pour ça qu'il faut être assez rapide. Donc, une fois que c'est bon, qu'on n'a plus les logos de crew, c'est bon, on laisse notre ami en travail de titan. Et là, on va pouvoir rouler dans le complexe avec les véhicules. Donc, on va prendre le véhicule qu'on veut dupliquer. Donc, pour ma part, là, il est Guy Retro Custom. Et on va l'amener près du rond jaune pour pouvoir se téléporter dedans. Donc là, on va l'arranger ici, dans les petites marches d'escalier derrière, pour bloquer les deux portières, côté passager, côté conducteur. En étant là, ça va bloquer les deux portières en même temps. Donc, à la limite de la portière, on se gare ici. Triangle, hop, ça nous téléporte, c'est parfait. Donc là, à partir de là, on va se mettre sur le rond jaune, sur le message de sortie, et on va faire croix triangle. Très très rapidement. Le plus rapidement possible. Croix triangle. Très très rapidement. Donc instantané. D'accord? Donc là, j'ai fait que triangle. Hop, je me mets sur le message. Là, croix triangle. Tac tac. Rapidement. Voilà. Donc là, on s'est téléporté dans la voiture, on sort. Et du coup, on sort avec la duplication. Donc là, hop. C'est la duplication, on peut voir que la plaque a changé. Donc à partir de là, ça a pris la plaque de la Elegie RH8 que j'avais sorti à l'extérieur tout à l'heure. Donc là, c'est bon, ça me l'a écrasé, ça c'est bien la duplication. Donc maintenant, il va falloir la sauvegarder cette duplication, vous pouvez pas vous rentrer dans le complexe. Obligatoirement, vous rentrez dans votre centre d'opération mobile. C'est pour ça qu'il est obligatoire. Dépôt de véhicule plein, j'ai une RH8 qui est transférée dans le complexe. Donc là, c'est bon, j'ai ma duplication qui est sauvegardée. Ok, donc là, maintenant, je vais reprendre ma duplication, je vais la ramener au complexe, ça va m'en faire deux, l'original et la duplication. Je vais en faire encore une avec cette méthode-là, et ensuite, quand j'en aurai trois, je ferai les trois par trois. Et une fois que j'en ai trois, j'en garde tout le temps trois, d'accord, dans mon complexe, et je les fais trois par trois. Quand j'en ai six, et ben, j'en ramène trois au garage, switcher contre le RH8, et je recommence à en faire trois par trois à chaque fois. Ok, les potos. Donc allez, complexe plein, je la rentre et je l'échange du coup contre la RH8 qui était dans le camion, qui va du coup retourner dans le camion, tout simplement. Donc allez, hop, petite cinématique, on les passera après les cinématiques, hein, on les accélérera. Voilà, donc là, hop, je rééchange du coup contre le véhicule qui était dans mon camion, la RH8, et voilà.
Donc là, ça me fait bien deux véhicules rétro custom, l'original et la duplication. Donc la duplication qui a pris la plaque de la RH8, donc duplication plaque propre, hein, aucun problème avec la limite de vente après. Et là, la plaque IFWIT. D'accord ? Donc à chaque fois, ça transfère la plaque de la RH8, c'est nickel. Donc je continue, je ressors une RH8 à l'extérieur. Très très important, n'oubliez pas ça. Sinon, ça sera la duplication, le dernier véhicule utilisé qui va être écrasé du coup. Donc là, c'est bon, RH8 qui va être écrasé, je la re-rentre. Ou je la laisse dehors, peu importe, mais bon, moi je préfère la re-rentrer, ça sera plus rapide pour rentrer. Donc une fois que c'est fait, je vais me rebugger toujours pareil. Mon ami est toujours dans sa session sur invitation, il est toujours dans un travail de titan. Il a mis un élastique sur la manette, il reste comme ça toute la nuit. Ok les potos. Donc allez, hop, ça c'est bon. Voilà, donc allez, c'est parti, là je vais à la salle de mission de préparation, juste à être dans la salle, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de lancer une mission ni rien, il faut juste être à pied dans la salle, ou à l'entrée de la salle. Donc allez, hop, on y va. Voilà. Donc là, on est là, notre ami, il est là, ok, il est en travail de titan, toujours pareil, il est là. Nous, on sort le téléphone, activité rapide, le braquage de la fin du monde, seul, vraiment. On le lance. Dès que le logo de coup disparaît, paf, on ressort le téléphone, activité rapide, braquage de la fin du monde, et on quitte le téléphone. Donc là, hop, il a disparu, braquage fin du monde, je quitte le téléphone, double clic PS, je rejoins, je spamme le bouton croix. J'ai les récupérations des détails de la session, et j'accepte les deux messages d'alerte. Donc je spamme le bouton croix, ça sera nickel. Donc ça peut être un peu long quand votre ami est dans une session différente, et ça peut être très rapide d'avoir les messages d'alerte quand votre ami est dans la même session. On verra tout à l'heure du coup. Donc là c'est bon, j'ai réapparu sans le logo de crew, c'est nickel. Je vais pouvoir rouler du coup avec les véhicules. Donc on y retourne. On va prendre l'original ou la duplication, peu importe. Chaque fois ça transfère une plaque différente, donc c'est bon. Donc là je reprends celle-là et je vais la placer au même endroit que tout à l'heure. Donc allez hop, c'est parti. Voilà, on se met là. Et on bloque les deux portières du coup. La portière côté conducteur et la portière côté passager. Triangle, ça nous téléporte, nickel. Donc on se met sur le message et on fait croix triangle très rapidement. Tac tac, très très rapidement. Croix triangle, voilà. Allez, on sort du coup avec la duplication. La plaque a changé. C'était une plaque IFWIT avec marqué Chucky 1. Et là, ça va être une plaque avec les numéros de la RH8. Ok les potos. Donc on commande le centre d'opération mobile et du coup on va la rentrer dans le centre d'opération mobile qui est plein. Donc allez, petite fusionnage. Hop, dépôt de véhicule plein, nickel. On la ressort et on retourne à mettre dans le complexe et du coup ça va m'en faire 3. A partir de là, je vais vous montrer pour les faire 3 par 3. Donc vous pouvez aussi les faire 4 par 4, 5 par 5 et même 6 par 6 si vous voulez. Mais bon, on va commencer par 3 par 3, les 6 par 6 je vous les montrerai dans les lives. Ok. Donc allez, hop, on la sort du camion, on la rentre dans le complexe qui est plein. On switch contre une RH8 qui retourne au camion. Voilà. Allez. Ok, donc là, j'en ai bien 3. Maintenant, ça c'est fait. Donc je l'échange encore une fois contre une RH8. On va prendre celle-là, hop, comme celle sur l'ensemble. Voilà, donc on en a bien 3. Ok, donc ces 3-là, je vais les dupliquer les 3 d'un coup. Contre les 3 qui sont de l'autre côté. Ok. Donc allez, là c'est parti. Maintenant, ce que je vais faire, mon ami quitte un travail de titan, il va me rejoindre dans ma session. Là, à partir de là, il va devoir être avec moi. Donc il va devoir être devant sa manette et surveiller mes voitures. Donc c'est parti, option ami,
j'invite mon ami dans la session, qui est une session sur invitation obligatoire pour le glitch. Session sur invitation. Pour mon ami et pour moi quand on est séparés et quand on le fait ensemble dans la même session sur invitation. Donc, une fois qu'il arrive dans la session, je l'invite dans le complexe. Donc les potos, un gros GG à Yoann Mods aussi, pour m'avoir aidé pour la vidéo. D'accord, donc vous avez sa chaîne dans la description, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que tous les glitchs, il les fait lui aussi. Ok les potos. Il est là Yoann Mods les potos. Donc allez, allez vous abonner à sa chaîne, elle est dans la description. Donc une fois qu'il est là, il va se mettre en travail de titan. D'accord, comme tout à l'heure, option en ligne, activité, joue activité, mission, un travail de titan. Il reste dans le tableau un travail de titan. Moi, toujours pareil, je fais la même manip. Hop, seul, braquage fin du monde, seul vraiment, dès que le logo de coup disparaît, je ressors le téléphone. Donc ça peut prendre un peu de temps, hein, des fois. Hein. Il va falloir peut-être attendre quelques secondes, hein. Voilà, disparu. Hop, je sors le téléphone rapidement. Braquage, je ferme le téléphone. Double clic PS, rejoins la session. Hop, j'accepte le message d'alerte. Le premier, le deuxième. Très rapidement. Et là, c'est bon. Donc là, mon ami, il peut quitter un travail de titan. Ok, il quitte la mission. Il va réapparaître du coup dans mon complexe. Puisque je l'avais invité dedans. Donc là, je vais pouvoir amener les trois voitures que je veux dupliquer ici en bas. Et lui va juste me les surveiller pendant que j'ai duplique. Une fois que j'aurai fini les trois, ben du coup, je pourrai me rebugger pour en faire trois autres. Donc la première, on la met ici, d'accord? Comme tout à l'heure, pareil, toujours pareil. Donc la première, on la met ici. Voilà, donc un peu plus se reculer, qu'on puisse se téléporter en descendant. Voilà, nickel. Ensuite, on va en chercher une deuxième. On va prendre celle-là. Voilà, et la deuxième, on va la mettre ici, regardez. Là, d'accord. On va bloquer la portière côté conducteur avec le pilier, là. Donc, on descend, ça nous fait sortir à la portière passager. Donc, pour bloquer, du coup, la portière passager, je vais récupérer une autre voiture du complexe. N'importe laquelle, peu importe, on la perdra pas. Donc, je vais prendre une RH8, hein, qui me servira, du coup, pour les duplications. Vous prenez ce que vous voulez qui est dans le complexe. Hop. Voilà. Donc je bloque la portière passager. Ok. Ensuite je vais chercher la troisième et dernière voiture. Voilà. Je la descends. Et là, celle-là, on va la mettre ici là. Regardez. À cet endroit-là, on va bloquer la portière conducteur à cet endroit-là. Donc pas trop reculer. Le maximum avancé histoire que la portière soit bloquée avec la vitre. D'accord ? Une fois que ça c'est fait, on va aller chercher du coup la RH8 qui va nous servir à bloquer la portière. Donc pour la première, on n'a pas besoin de bloquer la portière qui se bloque tout seul, les deux. Et pour la deuxième et la troisième, on aura besoin de bloquer les portières. Et pour les suivantes aussi, quatrième, cinquième et sixième, pareil, on va devoir bloquer les portières à chaque fois. Donc là, hop, on la met ici. Donc là, on peut pas passer. Donc on fait triangle dans la Elegy Retro Custom, ça nous téléporte du coup devant en sortant. Donc allez, là c'est parti, je me mets sur le message et je vais faire croix triangle. Donc le message, je vais faire celle-là en premier. Là ici, je vérifie, ça me téléporte, c'est bon, nickel. Là celle-là, je vérifie aussi, hop, ça me téléporte, c'est bon. Donc allez, on commence, on se met sur le message et toujours pareil. Tac, croix triangle, rapidement. Donc là, hop, je sors du coup avec la duplication que je vais sauvegarder dans mon centre d'opération mobile. Et mon ami est toujours dans mon complexe, là. Il me surveille les autres voitures pour pas qu'elles disparaissent. S'il est pas là, elles disparaissent, elles retournent à leur place. D'accord? Donc il sert à ça, mon ami. À partir de maintenant, il peut aller faire ce qu'il veut, mettre un élastique sur la manette et tourner en rond dans le complexe. Donc là, comme tout à l'heure, hein, toujours pareil, je switch dans le centre d'opération mobile contre une RH8. Je la ressors et je la ramène au complexe, du coup, pour la re-switcher contre une RH8. Et à chaque fois, je fais ça. Donc ça, sur les trois voitures, là, elles sont placées, les voitures, on n'aura plus à y toucher. D'accord? À chaque fois, hop, on se téléporte dedans, on sort avec une autre. Par contre, à chaque fois que vous faites une duplication, vous pensez, très très important, à ressortir une RH8. Donc là, le fait de sortir ou rentrer dans le bunker, dans le complexe, pardon,
vous allez être débugué. Donc vous ne pourrez plus rouler dans le complexe avec les voitures. Donc maintenant, quand vous allez monter dans une voiture, ça va la sortir si vous accélérez. Donc pour ça, maintenant, il va falloir sortir une RH8. Qui va être du coup le dernier véhicule utilisé à chaque fois. Donc là, j'échange du coup contre une RH8. Hein, une autre RH8 qui est dans mon complexe. Qui n'est pas invisible, hein, qui est bien là. Donc là, c'est bon. Première duplication des trois. Je sors la RH8 qui m'avait servi à bloquer la portière. D'accord. Je la laisse dehors ou je la re-rentre. Et là, c'est bon. Ça sera du coup le dernier véhicule utilisé. Donc allez, hop. Là, c'est bon. Dernier véhicule utilisé, enregistré. Mon ami est toujours en train de surveiller les voitures. Voilà. On y retourne. On se remet sur le point jaune et on refait une petite téléportation pour sortir avec la duplication. Donc là, je peux pas passer, je me mets là, triangle, hop, je monte dedans, je ressors et c'est bon. Allez, toujours pareil, croix triangle. Donc là, ça m'a pris celle qui est sur le côté. Ça, c'est la duplication. Je vais rentrer dans mon centre d'opération mobile. Voilà, toujours pareil. Allez, poteau, on fait une petite accélération sur toutes les trois dernières voitures, là. La méthode, vous la connaissez. Donc, allez, c'est parti. Je la sors du camion, je la rentre dans le complexe. Et j'enchaîne pour la dernière. Donc, j'échange contre une RH8. Voilà. Encore une duplication. Donc là, je me sers de celle-là, du coup. Très important, toujours pareil. Je me sers de celle-là, je la sors, je la re-rentre. À chaque fois. En tant que dernier véhicule utilisé, du coup. Hop. Allez, je retourne, du coup, faire la troisième et dernière. Je me mets sur le point jaune, sur le message... trois triangles. Là, à partir de maintenant, mon ami, il n'a plus besoin d'être là. Hein. C'est la dernière, il en a plus à surveiller. Celle-là, je la vois. Allez, trois triangles. Hop, c'est la duplication. À chaque fois, votre ami voit la voiture disparaître. Hein. Voilà, allez, dans le camion. Tac. Je la ressors et je vais la re-échanger contre une RH8. Ce qui va me faire, du coup, 6 véhicules. Ok. J'en avais qu'une, j'en ai fait une de plus, ça m'en a fait deux, j'en ai en fait encore une seule. Ça m'a fait trois, et les trois, je les ai fait d'un coup. Sans me rebugger à chaque fois avec mon ami. Il suffit juste que mon ami soit là. Donc vous avez le choix, ou il se met en AFK pour les faire une par une, ou alors il est avec vous dans votre complexe pour les surveiller. Ok les potos, regardez, on en a bien 6. D'accord? Et la 7ème, c'est le véhicule du camion du coup. Ok? Allez, un gros GG à Johan, vous avez sa chaîne dans la description. Et du coup, moi je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos de Glitch. Allez, bye tout le monde. From where we began.